Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à Pézenas pour suivre ensemble une des deux demi-finales de ce 54e national de la ville. Une partie qui va opposer et consacrer en certaine façon la jeunesse, Gilles. Oui, effectivement, là, on va avoir une équipe qu'on n'a pas encore filmée, hein, parce que sur les quatre équipes demi-finalistes, on en a filmé trois, donc celles que l'on voit, là, Cindy Perrault, Marcel Laborde, Franck Polo. Et là, l'équipe de Michelin, eh ben non, c'est celle que l'on n'a pas encore filmée. Et effectivement, c'est de la jeunesse que l'on va voir sur les terrains. Voilà, je parlais aussi évidemment de Franck Polo et de Cindy Perrault qui ne sont pas si vieux. Et puis, alors évidemment, on a un des seniors hein, de ce concours aussi sur le terrain. C'est Marcel Laborde, Marcel qui a quitté ses fonctions cette année d'organisateur de l'Odyssée de la pétanque, un petit peu forcé hein, par des aléas administratifs. Et on sait malheureusement qu'on n'aura pas d'Odyssée de la pétanque 2023. Ils ont promis de revenir encore plus fort en 2024. L'année prochaine, on le souhaite. C'est ce qu'on souhaite à toute l'équipe de ce beau club qui est Pétanque 34. Hein, on les embrasse tous parce qu'ils nous ont fait régaler pendant plusieurs éditions en recréant une très grande compétition de pétanque à Montpellier. Et voilà, ça c'était pour parler des choses tristes, des choses gaies. C'est que Marcel Laborde, du coup, il a retrouvé ses boules hein, là où il les avait rangées. Et puis, il fait du très très beau jeu depuis hier. Et il est en demi-finale en compagnie de Franck Polo. Et Cindy Perrault, ça c'est l'autre bonne nouvelle de ce national de Pézenas, c'est qu'on sait que les nationaux, les internationaux, ce sont des épreuves seniors, comme on dit, ce qui veut dire que c'est ouvert aussi aux joueuses. Et Cindy Perrault, elle aime bien s'aligner dans ces épreuves, hein, Gilles. Ben oui, c'est vrai qu'on la voit de temps en temps participer à assez nationaux, et d'ailleurs, je crois que c'est l'année passée, ou il y a deux ans, elle avait gagné à l'international d'Ajaccio. C'est ça, et donc on sait que Cindy Perrault, c'est une des meilleures tireuses du monde, mais c'est, on va employer le mot de neutre, alors du coup, c'est tout simplement un des meilleurs tireurs du monde. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc on va certainement en avoir la démonstration, mais ils ont fort à faire hein, parce que en face, comme ils viennent de le démontrer à l'instant, Romain Cazeneuve, il y a du lourd hein, avec ces trois jeunes gens là qui viennent disposer du bois et Hoffmann hein, en quart de finale. Et puis Vincent Michelet notamment, c'est un garçon qu'on voit monter en puissance depuis quelques années. Il était en équipe de France junior. Et puis là, on l'a vu surtout chez nous monter en puissance, hein, puisque l'an dernier, il était en demi-finale du National de Martigues. Et cette année, il était en finale. Ouais, donc là, il va y avoir une très belle opposition. Hein. Et voilà, ça c'est une très belle entame de Romain Cazeneuve. Alors ce jeune homme, lui, il est au club de Lasbordes dans la Haute-Garonne. Et puis, il a été finaliste du National de Fenouillé l'an dernier. Et il était aussi au sein de l'équipe Taureau, dans laquelle il a brillé au tir de précision. Le tir de précision, on voit que... Il a la technique pour le pratiquer. On l'a vu avec ce carreau et ce recul. Donc la marche est déjà haute pour cette belle équipe de Franck Polo, Cindy Perrault et Marcel Laborde. Je pense qu'on peut avoir une belle demi-finale, Gilles. Effectivement, on a vu déjà sur les premières boules là. Il n'y a pas eu de temps mort ni de round d'observation. Hein. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Ça fait plaisir de voir Perrault, Laborde et Polo sur un jeu. Hein, parce qu'on a plutôt l'habitude de les voir sur un plateau de télévision, hein, dans l'équipe de Polo. Alors... Et le terrain vous le montre. Tiens, à nouveau, regardez à quel point il est piégeux. Et
est un petit peu compliqué parfois à utiliser. Donc Franck Polo avait bien repris. Et c'est cadré, c'est cadré. Hein. Il y a trois points au sol pour les Noirs. Trois points et trois boules en main. Alors, que fait-on ? Continue à pointer. Je vais présenter Vincent Michelet, Romain Cazeneuve, on va dire un mot évidemment aussi de leur partenaire Romain Belmonte. Lui, il m'a dit, moi, j'ai aucun palmarès. J'ai répondu, bah, tu es demi-finaliste de Plaisance. Ça sera sa première ligne, apparemment. Une ligne brillante. Cette fois, il l'a perdu. Mais enfin, de toute façon... Alors Vincent Michelet, il connaît ces terrains, il connaît Plaisance puisqu'il a été finaliste en 2018 de ce même national. Ah oui, parce qu'à le voir... À l'époque avec l'équipe de France junior. Ah, d'accord, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à le voir, il est jeune, donc 4 ans en arrière, on peut dire qu'il était au berceau quand même, mais c'est bien joué Cindy, si la boule s'arrête, c'est le cas. Déjà, il va tirer pour le point, Vincent Michelet. Est-ce qu'il tire encore ça ? Et certainement, ça lui permet d'être en... Ça lui permet d'avoir ses boules en troisième, en quatrième position. Donc, si Romain Belmont venait à frapper double, il aurait une très jolie main. De Christian Angelin-Séneau qui ouvre le score pour mener 2-0 face à la formation de l'équipe de France Espoir. Ah, voilà, mais pour voir la main, il va déjà falloir qu'il frappe celle-là. Déjà là, ouais, défendre le point. Donc lui qui normalement est le pointeur de cette équipe. Le pointeur qui frappe des boules, je pense qu'il va les frapper, bien sûr, oui. La boule de Polo, elle fait 2 ou 3, peut-être même plus, s'il a le bonheur de cadrer. Oh là, ça sera 4 hein. Points. Ouais. 6 tirs, 6 frappes, ça démarre très très fort du côté de ces jeunes, j'allais dire Toulousains, mais ils sont tous un peu Toulousains. Alors Romain Belmonte, lui, il m'a dit qu'il était licencié à Valras Méditerranée, et il m'a dit que c'est très important de dire Méditerranée, et en tout cas, voilà, il vient de démontrer d'emblée qu'il va falloir, très très bien jouer pour disposer d'eux. Marcel Laborde vient nous dire, ils sont jeunes, ils ont du sang. C'est une main de 4 points pour la formation de Vincent Michelet. Effectivement, ils ont quand même joué 5 boules en face. Ah oui. Et il y a eu 6 tirs, puisque après, voilà, ils sont allés chercher, Romain Belmont est allé chercher la 6e boule de Polo. Et, rien à faire, mais quand on est sous l'orage et qu'on n'a pas de parapluie, il faut attendre qu'il arrête de pleuvoir, c'est tout. Par contre, là, il n'a pas tellement bien engagé, après ses deux tirs. Il monte. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bleus. Allez, s'il y a des joueurs qui jouent avec des Oméga. 680-74, contrôlez le boule, il y a eu un échange de boules. Venez me voir si vous n'avez pas votre bonne boule. Merci.
c'est très bien joué. Ah, il en a vu d'autres, Marcel Laborde. Il a fait une demi-finale dans la Marseillaise, ouais. Deux quarts de finale. Il a gagné la Comédie Pétanque à l'époque. Donc, des carreaux, il en a pris déjà. Ouais. Pas mal. Ça n'a pas empêché de passer. Par contre, c'est des terrains exigeants aussi. Donc, on le voit, il s'est bien approprié. Hein. Au niveau du terrain. Tombé au pied. C'est ça. Mais il y a quand même, il va y avoir quand même pas mal de racines sous le sol parce qu'on est, oui. On est sous des platanes magnifiques. Hein, ouais, et on peut penser que leurs racines ne s'arrêtent pas à leurs pieds. Hein, donc, ça va courir. Un petit peu et en plus, il ne va pas être tout jeune. Hein. Il va y avoir quelques dizaines d'années derrière eux, ces platanes. Ce superbe carré d'honneur. Et là, c'est très très bien pointé. Là. Je me rappelle être venu ici pour les premières éditions du National, donc il y a une cinquantaine d'années. Hein, et ben les platanes étaient déjà là. Hein. Ah, c'est bien tiré. Ouais. Quel joli geste, hein, Cindy Perrault. Vraiment tout en souplesse. Très bon balancier. Ah, elle a fait du très très beau tir là, pendant deux jours, Cindy Perrault. J'allais dire un peu comme d'habitude. Hein. C'est vrai. Guy Perrault qui est une des nouvelles recrues de Guillaume Abbe à la boule tropézienne. Et il s'en félicite hein, puisqu'elle lui a ramené un titre de championne du Var en doublette. Ouais, en doublette. Elle là, a signé son arrivée. C'est ça. Elle était bien jouée, mais voilà. Il est roulant, il est piégeux. Là, on vient de voir certainement un domaine, certains des fondamentaux de cette partie, parce qu'on va certainement voir ces jeunes gens très bien tirés. On peut les voir avoir un petit peu plus de difficultés à pointer sur ce jeu piégeux. Hésiter cette boule, ouais. Peut-être gagner le point, peut-être pas. La formation de Christian apparemment. Oui, dit Gaznavo. Ouais. De partout. Cindy, dubitative. Alors, donc, ouais, elle a gagné. Il a gagné une fois sur deux. C'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, l'avantage reste évidemment à l'équipe bleue. Oh là là, que c'est bien tiré avec ce deuxième point formé par ce petit recul. Ouais. Super recul. En plus, elle améliore le point. Ça va être plus compliqué là pour. Romain Cazeneuve de regagner le point. Dernière boule là pour l'équipe en noir. Et il reste court. Cazeneuve il avait choisi de jouer comme Marcel Laborde, c'est-à-dire en prenant une donnée plus courte. Ouais. Mais il laisse deux points. Là, on peut revenir à hauteur de l'adversaire ouais. Hein, du côté de l'équipe bleue. Exactement. Il reste même trois boules. Hein, donc. Éventuellement passer devant, mais en tous les cas, donc déjà deux points. Alors la difficulté pour Marcel Laborde, c'est qu'il a choisi, il a choisi de faire rouler sa première boule. S'il fait pareil, il va pas falloir que sa boule dérive et aille dans la boule adverse. Il y a une seule boule qui peut être gênante, c'est celle de Cazeneuve. Oui, mais je pense, vu là où il a mis le pied, il joue quand même à l'extérieur. C'est ça. Mais parfois, on l'a vu hier, les boules prendre des trajectoires. Eh bien oui, parce que sa donnée est à droite, donc il va falloir un petit coup de truelle. Et je crois qu'il soit trop important. QX
Allez, s'il vous plaît, vous gênez une personne pour sortir de chez elle. Venez au parc podium, merci. C'est très très bien joué. Ah oui, super. Là, vraiment, il l'a bien fait glisser cette boule, Marcel. Ah ben là, tout est réuni là, pour que cette équipe se retrouve 4 à 4. À l'issue de cette semaine, il suffira à Franck Polo de glisser une boule sur deux. Et elle est passée. Ouais. Avec un rebond surprenant. Ouais, je pense que là, il peut changer de données quand même. Parce que il y a 4 points, c'est pas le moment d'aller vouloir... Puis surtout, surtout, la frappe, elle était, ne donne pas envie de revenir. Bizarroïde. Ouais, je pense que Marcel vient le coacher, là. En disant, fais glisser ta boule, il vaut peut-être mieux. Ou ne prends pas de risque, il y a 4 points par terre. Et elle passe quand même. Ah, c'est 5 points, il passe en tête. Bien, dis donc. Ah, oui. Alors, 4 points à la première romaine en très bien tirant. 5 points à la deuxième romaine pour l'équipe bleue en très bien pointant. Je crois que là, on va vraiment assister à cette opposition toute la rencontre. 5 à 4. Bah, n'oublions pas les deux frappes de Cindy. Ah, évidemment. Et donc, ce superbe recul là. 5 à 4. Ah, oui. Là, remise à l'heure des pendules. Hein. Tout de suite. Cette deuxième main, et on ne veut pas jouer long. Hein. C'est André Laborde qui a gagné la Marseillaise avec Mike Marcoux et un international algérien qui s'appelle Yazid Triaki. Ça, c'était André Laborde. Mais Marcel, lui, a disputé une demi-finale avec Triaki et son frère. Il y a un petit peu plus récemment. De Bastien Ivan et Yannis Seboussi. Pas trop mal avancé, elle s'est bien recentrée face au jeu. D'accord, on peut donner un petit point de ressemblance entre Marcel Laborde et Christian Andrian Cielo, c'est qu'ils sont très méticuleux, concentrés, et ils prennent vraiment leur temps, ils choisissent leurs données. C'est ça, et ça peut faire la différence, hein, parce que c'est vraiment la base du point quand même. Hein, alors on dit l'application en général, mais c'est vrai que le point, c'est vraiment le domaine qui demande de la réflexion. Contrairement au tir, où on est plus dans l'action. Et surtout sur des terrains comme ça exigeants. C'est ça. Alors du coup, on en tire la leçon là, du côté de l'équipe en noir, on va tirer. Ça suffit à faire passer. Un tir extrêmement facile, hein, Romain, ouais. Cazeneuve. Voilà, et des bons joueurs de boules, il n'y en a pas que sur le terrain, parce que la voix que vous entendez de temps à autre là, au micro, c'est celle de Nicolas Molens, qui a posé les boules là pour le week-end et qui officie au micro et à l'animation de ce national. Voilà, il est là, Nicolas Molens. Il est chez lui là, je crois. Ah oui, je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. Nicolas Molens qui fera équipe cet été pour le Mondial de la Marseillaise avec Nicolas Perry et Richard Ovaguignan. Et...
Et une petite bise qui ne lui fera peut-être pas avoir le point. Apparemment. Ouais, c'est ça, parce que c'est la boule de Belmont, elle est très en arrière. Hein. Celle-là, c'est un problème. Oui. Belle reprise. Et bien, on va aller voir Cindy à l'œuvre. Ah, encore un petit avantage pour les Bleus. 4 boules contre 2. Et voilà, c'est attaque contre attaque. Ouais, défense voilà. Contre attaque. C'est le jeu des Bleus est bien en place. Hein. Bah là, n'importe comment. Pointe bien, on s'appuie sur, ensuite sur son libéro. Même s'il y a un point à 80-90, on voit que ça peut facilement se perdre, donc autant tirer. Et surtout quand c'est réussi. C'est regagné. Je pense qu'il faut... Effectivement, le terrain a dû un petit peu sécher. Voilà, il était déjà très roulant hier quand même. Hein. Oui. C'est la caractéristique de ce terrain, c'est que, et notamment aussi pour les tireurs, hein, parce que dès qu'on fait un petit palais, ben, on se retrouve très loin en arrière. C'est difficile de faire des carreaux, à moins d'être bien dans la boule, comme vient de le faire Cindy. Ouais. Là, Christophe Garcia, le président de l'organisation, là, me disait ce matin. Ils avaient hésité à rajouter du gravier sur ce terrain, parce qu'ils l'ont fait sur d'autres, mais qui étaient quand même assez compliqués. Et du coup, ils ont dit non, on laisse comme ça. Et ben, je crois qu'ils ont bien fait. Absolument, parce que franchement, rien ne vaut pour jouer à la pétanque un terrain avec, naturel qui a été forgé par le temps. Et là, c'est le cas là, de celui qu'on nous propose. Voilà, donc les Noirs n'ont plus, l'équipe en noir n'a plus de boules. Debout la Franck Polo pour faire continuer à avancer son équipe. C'est bien poussé. C'est une formation de Benoît Moros qui prend les commandes. Alors, il va peut-être tirer d'abord pour faire rentrer face à la formation. Le panier de Cindy en tirant là-bas la boule qui est sur la bande blanche. Alors, il y en a deux, peut-être trois, on dira. Non, ça c'est pour deux. Eh, c'est encore bien tiré. Alors, on va compter, c'est certainement deux points. Il y en a au moins deux. Ouais, deux. Ça. Deux. Eh bien, voilà, belle mène encore pour les Bleus. Ah oui, je disais que les Bleus allaient peut-être beaucoup jouer au point, mais là, on a vu quand même quatre frappes. Hein. Exact. Et donc... ça, c'est toujours bien quand même, quand on affronte une équipe qui tire très très bien et qui tire très très bien d'entrée, à un moment de marquer son territoire au tir. Hein. C'est ce que viennent de faire Perrault et Franck Polo. Alors, Franck Polo, qui d'habitude, a l'habitude lui de jouer au milieu de plein de monde, mais en général, il fait rire. Et là, il ne fait pas rire du tout, hein, parce qu'il vient d'ajouter deux fois. Il vient de frapper deux fois. Là, on a un Polo sérieux aujourd'hui. La borde 7-4. Alors, le bouchon. N'est pas bon. Il n'était pas. Ah. 50 cm de la ligne de perte. Alors la finale aura lieu à 15h cet après-midi. Thank you.
Voilà, donc on continue à jouer court. Hein. On va être dans les 7 mètres là cette fois. On ne vous a pas fait vivre la discussion là, entre Franck Polo et l'arbitre, mais là, l'arbitre, c'était, on discutait avec Franck Polo, c'était attaqué à Dubourg quand même. Hein. C'était au tour du lancer de bouchon, non ? Certainement, certainement. En tout cas, il y a quand même deux personnes avec qui il ne faut pas engager la conversation sur le jeu de boules, c'est Franck Polo et Marco Foyo, et tout le monde le sait. On va voir la réaction de l'équipe de Michelet. Et c'est encore dans le bouchon. Il refait ce qu'il nous a donné hier soir, Marcel Laborde, dans ce jeu. Il se régale parce qu'il peut, il peut faire de la demi-donnée, il peut faire rouler. Et là, il est très bon, Marcel. Voilà. Il a poussé et il a cadré. Sur un tir extrêmement naturel avec Romain Cazeneuve, pas du tout d'effort. Hein, sorti de coup de poignet. Alors, il a seul petit handicap, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit dans la boule. Hein. On l'a vu hein, ouais. sur ce jeu. 22-20, ça ne part pas. En tout cas, il y a du talent hein, chez ces trois jeunes gens. C'est garé un petit peu sur le côté cette boule. Elle est sortie à la frappe. Hein. Ah. Mais qui sait hein. C'est... On va voir si Romain Belmont choisit de suivre Marcel Laborde ou s'il envoie plus loin. Il faut vraiment très bien jouer pour envoyer plus loin parce qu'il y a des belles données, mais elles sont un mètre devant. Ouais, et puis là on va être dans de la pente. Hein. Ah, il a eu peut-être un petit caillou heureux qui l'a ramené. Le point est toujours à la borne. Oui, vous voyez. Hein. Hey, pour l'instant, on dirait qu'il y a un pointeur qui domine l'autre, hein, Gilles. Effectivement. Oui, c'est encore perdu. Et le 2 points de la part de Seboussi qui réduit le score 3-4. Avantage à la formation de l'équipe de France qui mène, espoir bien sûr, qui mène 4-3. On se gratte la tête du côté de l'équipe en noir. Moi je pense que à un moment, cette équipe va prendre conscience qu'il faut qu'elle tire plus. Parce que même si c'est sur des points qui sont assez loin. Apparemment moins bons. Parce que là, tiens. Parce que là, quand même, on c'était. On l'a dit plusieurs fois, c'était encore le point de l'anglais, ça. Eh oui. C'est le point de Montpellier. Et voilà. Elle s'est arrêtée. Alors, oui, elle s'est arrêtée. S'est arrêtée, mais juste. Hein, il avait choisi d'envoyer un petit peu plus loin, Michelet. Oui. Ça suffit, sur la tête. Ce qui marche pour l'instant, c'est que Cindy Perrault, elle ne rate rien. Ah oui, donc
elle force à pointer. Donc ça use. C'est bien joué, ouais. Très très bien. Ah, quel idéal pour lui aurait été de se mettre devant le bouchon. Il a deux boules derrière, mais déjà reprendre, c'est déjà magnifique. Et ça aussi, c'est le carreau. Ah, oui. Le carreau. Alors, quelle partie de Pierrot quand même, hein, parce qu'elle n'a rien manqué, mais surtout, elle a, de temps en temps, mais elle laisse traîner un petit carreau comme ça. Ouais. Et ça, ça enfonce le clou. Hein, parce que... Ça modifie le jeu de son équipe. Et ils obligent complètement. Cette équipe, elle a commencé avec 6 frappes. Hein, et puis, depuis, elle est obligée de pointer beaucoup. Alors, il a repris, a priori. Oui, mais encore une fois, la marque, il a joué une boule sur deux, Franck Polo. Hein, donc on peut penser que le score va s'aggraver en faveur des Bleus. On n'est pas très loin, donc ça peut aider aussi. Ah, c'est bien tiré. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait, c'est des boules, on se relève là lui pour le tirer. C'est... Elle n'était pas très loin, elle était bien dégagée. En tout cas, il n'a pas, voilà, il n'a pas laissé d'incertitude pour l'eau et il a maintenant la possibilité de mettre en troisième. Qu'est-ce qu'il dit, Marcel Envoie? Je pense qu'il a dit à Franck Polo de ne pas jouer face au Rougeau. Voilà. Ça, c'est le genre de conseil utile. Il vaut mieux le dire une fois de trop qu'une fois de moins. Ouais, et le dire avant. C'est ça. Aïe. Il a mis 3. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de déchets du tout dans cette équipe bleue. Là. Ah oui. Et ça tourne très très mal pour les jeunes Michelet, Belmont et Cazeneuve qui sont maintenant menés 10 à 4. Ouais, il y a eu un départ en fanfare, mais l'orchestre s'est vite arrêté. Hein. Alors on aperçoit le haut du crâne de Christophe Garcia. Le patron à l'écran. Il est caché à l'écran, il est sur le podium et aux manettes de ce national de Pézenas. C'est le patron. On espère qu'on l'aura cet après-midi pour la finale. Le commentaire. Et il m'a dit que c'était pas sûr parce qu'il a quand même beaucoup à faire, Christophe Garcia. Il est au four et au moulin depuis pas mal de temps, là, bien sûr. Et puisqu'on parle de Garcia, on va avoir une pensée pour son papa, Jean-Pierre Garcia, qui nous a accompagnés bien longtemps sur le podium aussi, à l'époque du regretté mondial de Millau. Alors Marcel, là, il est resté un petit peu sur les distances que l'on connaissait depuis le début de cette partie, c'est-à-dire à peu près 6-7 mètres, alors que le bouchon est à au moins à 9. Il n'est pas content, Marcel, à bord. Là. Il sait qu'il a rendu le bout. C'était même deux points d'information de Christian Andrien, c'est Léon. Et dans l'autre deuxième demi-finale, c'est un mano à mano entre l'équipe de France Espoir, emmenée par Ross. C'est aussi 5-4 contre Christian Andrian Tseno et c'est ce dernier qui mène 5-4. Ça c'est très très bien tiré. Ah oui. Parce que, alors là. C'est le genre d'entame de main qu'on va faire à Dylan Rocher habituellement.
C'est magnifique le jeu que produit Cindy Perrault, une fois de plus. Ah, là, elle survole cette partie pour l'instant. Et là, on n'est plus à 6 mètres. Hein, et voilà, avec en plus un palet à la clé. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut bien tirer. Alors, on les a vu bien tirer ces jeunes, mais maintenant ils ont quand même pris quelques coups derrière la tête. On va voir si ça a marqué Romain Cazeneuve. Pas du tout. C'est bien, il faut détruire. Et puis qui sait, le point de Romain Belmont, il paraît pas très bon, mais peut-être qu'il peut se perdre. Hein. Ouais. Là on est sur une partie piégeuse, hein, puisque juste avant le bouchon, il y a une bosse et après ça descend. Donc on a vu hier pas mal de boules filer. C'est ce qui est arrivé à Belmont. C'était pas si mal joué que ça, sa boule. Il faut quasiment arriver mort là où a montré Cindy Perrault avec son pied à Marcel Laborde. Et laisser après glisser la boule dans la descente. Marcel qui a un problème avec son maillot. Je crois qu'il a, j'ai entendu dire qu'il lui manquait quelques tailles au-dessus. Et attention, il est court, Marcel Laborde. Ouais. Voilà. Et maintenant, l'avantage revient à Michelet. Avantage relatif, parce qu'il se peut qu'ils aient à frapper triple pour marquer les jeunes noirs. Mais en tout cas, il y avait un petit moment quand même qu'ils n'avaient pas eu l'avantage. Ouais. Il était plutôt sous... Et ils en ont besoin. Ça, c'est bien joué. Ouais. Et vous voyez que la boule sur cette bosse ne reste pas en équilibre. Hein. Elle descend derrière ou sur le côté. Allez, Romain Cazeneuve pour sa deuxième boule de tir. Oui, ouais, c'est très bien tiré. C'est bien poussé. Alors lui, on sent qu'il peut tirer des boules pendant 2 heures sans fatigue. Ouais. Il est impressionnant de facilité. Maintenant, le sort de la main va être entre les mains de Vincent Michelet. Oulala, il est rentré dans la boule de la borde, Polo, et maintenant, il va falloir jouer la dernière du côté des Bleus. Alors, de toute façon, ça fera pas une grosse semaine, hein. Mais si Perrault ne rentrait pas à son tour, ça serait une main de 3 peut-être pour Michelet, donc cette boule est importante. Perfection, le Cindy Perrault. Elle sait tout faire. Hein. On le savait, mais elle le démontre à nouveau. Ah oui, là, c'est magnifique. Oh, que ça va tirer, là aussi. Allez, alors peut-être la possibilité de faire un deuxième point. Vous êtes déjà très nombreux à suivre cette rencontre devant vos écrans, vos écrans d'ordinateur, de téléphone ou évidemment de télévision, puisque ceux qui ont la chance d'avoir des télévisions connectées peuvent suivre aussi ces parties en direct sur YouTube. Eh bien, 2 points de plus pour l'équipe en noir, voilà, qui a arrêté l'hémorragie.
Voilà, qui revient un petit peu en partie, mais il faudra quand même qu'elle marque à nouveau à la main qui vient, là, l'équipe en noir, pour être vraiment dans le match. Face à notre Web TV de Bollistenot qui a couvert l'événement, et merci à eux. C'est la formation de Marcel Laborde qui mène 10-6 face à la formation de Vincent Michelet. Laborde, 10-6. Alors, on cherche le coin où Marcel Laborde n'ira pas. Alors, mais là, je pense que ça va être du pain béni pour Marcel parce qu'il va pouvoir jouer en demi-donnée là, dans ce coin du terrain. On est à 9 mètres là, à peu près. Romain Belmont, il rêve de faire une grosse entame là, pour pouvoir envoyer Cindy Perrault tout de suite au rond. C'est surtout quand même c'est Boule à elle qu'on voudrait faire passer. Mais là, ça ne sera pas le cas. Non. Marcel Laborde va pouvoir vous pointer tranquillement. Attention portée au jeu, à la donnée ouais. Notamment celle de la Borde. Voilà, et donc là, j'allais dire il va jouer debout, mais non. On est dans la descente là. Alors, il va faire de la demi-donnée très certainement, donc il va. La boule n'est pas sortie de la donnée, elle a pris beaucoup d'épaisseur. Beaucoup à l'impact là. Et ça c'est une première demi-surprise. Hein. On s'attendait à ce que la Borde regagne le point à sa première boule. Ça va. Là par contre on va changer certainement. Ce sont les Michelet et Cazeneuve surtout qui vont certainement tirer dans cette main. Ah ouais, bah ça c'est. Ça peut changer beaucoup de choses. Il faut s'y attendre. Allez là. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie la boule de la Borde. Et oui, parce qu'il a été court à la première alors que c'est le terrain qui était un peu sableux et du coup il a forcé la deuxième, on l'a vu. Hein. Et peut-être, ouais. Peut-être la voilà la main qu'attendait l'équipe en noir. Elle a besoin de marquer encore cette fois-ci pour revenir sinon à hauteur un petit peu près de ses adversaires. Et puis cette main, elle est peut-être là, elle n'est pas faite encore. Il y a évidemment 4 boules encore dans les mains de l'équipe Laborde, hein. Mais avec 5 boules, Michelet est bien placé. Ah, ça c'est parfaitement joué. Encore un joker, hein, Cazeneuve, mais c'est vrai qu'en manquant, il a mangé un petit peu d'avance. Ouais. Ouh là, alors ça a tamponné de tous les côtés. Je crois qu'il garde le point. Il garde le point avec son palais. Parce qu'effectivement, il a contré la sienne, mais
La sienne est venue sur celle de Marcel et je pense qu'il a le point derrière. Et... Du coup, Franck Polo, il peut ouais. se gêner. Il peut... Ah non, il va jouer la nature. Mais il aurait pu aussi jouer devant la boule de Marcel Laborde. Hein. Oui, c'est vrai. Ça donne une sécurité, s'il est un petit peu long, tamponné. Il va à nouveau envoyer, comme il l'a fait à la première, très certainement. Ah, c'est très, très bien joué. Ah, exactement, c'est un copier-coller de la première. Voilà. C'est un petit break de fait de la part de Christian Andrianseno qui mène 10-4. Dans cette demi-finale face à la formation de l'équipe de France Espoir de Benoît Monrose. C'était manqué, c'était pas droit ouais. et il s'est sauvé involontairement Vincent Michelet en annulant le bouchon. Un bouchon bouliste notre bien entendu. Marcel qui allait lancer le bouchon, mais non. Et non, ce sont les jeunes, emmenés par Vincent Michelet, qui avaient marqué la même précédente. Donc toujours 10-6 pour les Bleus. Là, on maintient la distance. Ça s'est bien entamé à nouveau. Il a changé un petit peu d'optique. Belmont, on va faire rouler maintenant. Et puis, moi, je pense que depuis hier, on a vu peu de gens faire rouler, en fait. Mais je pense que c'est un terrain qui s'y prête. Hein. Oui, parce qu'on a vu hein, à l'envoi, il y a parfois des retombées bizarres. Et c'est plus compliqué à tenir. C'est Marcel Laborde qui est à la peine maintenant. Oui, oui. Ouais. Là, maintenant, Belmont a pris le dessus hein, sur Marcel Laborde. Cette boule. Ouais, galère, on peut y aller, là. Là, il est moins à l'aise sur la distance plus longue. Hein. En tout cas, on ne continue pas à pointer, on fait bien. Il faut, maintenant, il faut essayer de mettre la boule de Belmont au fond, ouais, parce que pour voir c'est la suivante. Hein. Forcer l'équipe adverse à pointer. Oh là 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 là, encore un carreau, bon moment hein, de Cindy Perrault. Exceptionnel là, vraiment, très très grand niveau. Alors que les Bleuets dans l'autre demi-finale font le spectacle. Ouais, mais ils sont menés 4 à 10. Hein.
Alors, Romain Belmonte pour sa deuxième boule. Et je crois qu'elle est partie. Ouais. Je crois qu'elle est partie. Et peut-être le point en frappant pour Cazeneuve. C'est le palais. Le palais de Cindy Perrault. Ben non, il doit y avoir deux points. Hein. Il doit y avoir deux points. Il y a aussi la boule de la board. Ah, c'était une époque que moi personnellement je bénis dans ma mémoire, mais y a quand même de très belles compétitions aussi aujourd'hui. Honnêtement, je serais assez ravi de voir le doublette retrouver ses lettres de noblesse, parce que c'est quand même la formule d'une part où on voit le plus de jeux, et puis c'est aussi la formule qu'aiment le plus les compétiteurs, si je ne me trompe. Et Vincent Michelet, là, il est passé à côté, et il a pris le bouchon, il a rapproché encore le point de Cindy. Là, il a peut-être deux points en frappant quand même. Oh, c'est bien tiré, c'est magnifique recul, il a reculé de 1m50. Ouais. Il a failli, si en reculant il prenait la boule à Marcel Laborde, il pourrait se faire un point supplémentaire. Deux points pour la formation des espoirs qui sont menés 10-6. Dans cette partie, face à la formation d'Isaïe, non, de Yanis Seboussi, pardon. Tiens, on va vous le remontrer, ce cachou là de la case de neuf. Nous sommes à la dixième main. Eh bien, dans les deux parties, le score est à parité. 10-6, des deux côtés. Marcel qui apparemment veut que Franck Polo joue la sienne. Ils font de la peine, hein, ils font de la peine, ils font la réunion de chantier, là, Franck Polo et Marcel Laborde. Et ça sera court. Ah, ils ont discuté pendant un long moment et du coup ça a dû lui casser un peu le bras, hein, à Franck Polo. Parce que jouer la boule devant, franchement. Et oui, mais c'était regagné là sur cette boule, mais il ne fallait pas rencontrer la première. Et il y a toujours certainement. Alors, toujours un point, peut-être deux. Hein. Par contre, elle a beau jeu, Cindy Perrault. Elle peut jouer sans se gêner sur la boule de Franck Polo. Avec sa main gauche. Elle est passée. Alors, est-ce qu'elle a gagné le point? Elle en a certainement coupé un. Toutefois, il y en avait deux. On va savoir tout ça dans quelques instants. Hein. Et non seulement nous ne le savons pas, mais eux ne le savent pas non plus, puisqu'on demande à Madame l'arbitre de prêter son maître. Marcel veut le point, mais souvent il veut le point. Voilà, certains d'entre vous veulent savoir si on pourra revoir toutes ces parties sur YouTube. Bien entendu, elles seront stockées sur notre chaîne Bouliste Note, mais elles apparaîtront un petit peu au fil du temps, quand la millionnelle année aura le loisir. Parce qu'après, quand il rentre d'un week-end de Web TV, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme déjà. Et puis,
et puis qui se repose un peu. Donc il vous proposera bien sûr ses parties sur notre chaîne YouTube au fil des semaines qui viennent. Voilà, et les Web TV, il va y en avoir un certain nombre cette année. Ça nous ravit. Et puis, ben vous les voyez, on va être bientôt Andrézieu Boutéron. On va aussi vous proposer pour la première fois une Web TV depuis Châteauneuf-sur-Loire, à côté d'Orléans. Et puis, bien d'autres. Vous allez les voir défiler sur le bandeau en bas de votre écran. Vers le très beau supranational double mixte à Rumilly, les 8 et 9 juin ou 9 et 10 juin. Peut-être ça compte. Alors, encore un coup de mesure. Alors ça, c'est une question qu'on finit par se poser à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ça, c'est une survivance de l'ancien arbitrage. Pendant très longtemps, pendant presque 70 ans, les joueurs, jusqu'en 1946, il n'y avait pas d'arbitre sur les jeux, puisqu'il n'y avait pas de fédération. Et en général, on demandait à quelqu'un s'il y avait litige de mesurer. Et puis encore, pendant très longtemps, on appelait l'arbitre. L'arbitre, il venait quand le point était juste. Et maintenant, les arbitres, ils sont là, ils sont sur les jeux, mais ils ont gardé cette habitude de tendre le maître au joueur pour qu'il mesure. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir peut-être un jour revoir ces règles d'arbitrage. En tout cas, c'est comme ça. Et bon, là, après, moi, je dirais que c'est logique au départ que les joueurs mesurent leurs points. Et après, si vraiment ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, de faire intervenir l'arbitre pour finaliser. Parce que là, on est sur un carré d'honneur, on a un arbitre pratiquement pour chaque jeu. Mais quand le concours démarre à 256 équipes... De nos bleus, mais c'est la formation de Christian Andréas Seneau qui gagne 2 points de plus pour l'équipe Michelet, partie très qui revient demander dans d'applaudir la foulée, s'il vous plaît, 8 à 10. C'est ça. Maintenant, on est évidemment, il y a toujours un avantage à l'équipe Laborde, mais... ça se rapproche, l'écart se resserre entre eux et leurs adversaires et on pourrait assister à une fin de partie bien serrée. Oui. Et l'autre demi-finale, et ben c'est un copier-coller également, hein, puisque c'est Boussy qui mène 10 à 8 contre l'équipe de France Espoir de Benoît Moros. Et ça, attention, monte sur les carrés de Pézenas. Et c'est pas mal cet entame de Belmont. Ouais. Alors, donc c'est Marcel Laborde hein, qui a posé le bouchon à la main. Donc on l'a vu, hein, il a rétréci la distance. On le voyait plus à l'aise, effectivement, hein, sur des distances plus courtes. Non, mais il a du travail, Marcel Laborde, parce que ce point, il est très bon. Pour le regagner, il va falloir très, très bien jouer. Et voilà. Alors la difficulté quand on fait rouler comme ça, c'est que s'il y a un ou deux cailloux sur le trajet, eh ben on se retrouve comme ça avec une boule courte. C'est Cindy Perrault qui passe à l'attaque. Qui continue, hein. Sans faute. Ah,
Voilà, ça c'est impeccable aussi. Il a compris Romain Belmonte, il a pris le parti de faire rouler et du coup il ne s'éloigne plus tellement du but. Et voilà qui va remettre l'équipe noire dans le sens de la marche. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Le point est toujours très bon, hein, donc on risque de passer plusieurs boules. Ouais, mais je Par contre, Franck Polo peut tirer et être sûr comme ça d'éloigner l'idée de perdre. Hein. Il joue 5 points, hein, l'équipe Michelet. Ouais, on peut penser que Marcel va quand même améliorer son point, même s'il ne le reprend pas. Et qu'après, effectivement, Franck Polo tire. Et là, c'est vrai qu'ils ne défendent pas grand-chose, hein, les Bleus. Voilà, maintenant, la question va se poser, hein, parce qu'il va falloir la frapper, cette boule. Maintenant, oui, ouais, c'est voilà. Obligatoire. Hein. Il va falloir la frapper pour ne pas perdre, hein, tout simplement. C'était... Ils menaient largement l'équipe en bleu et maintenant ils sont sur le reculoir et ils vont tirer pour ne pas perdre. Ouh, voilà, ça c'est bien tiré parce que déjà on ne peut plus perdre que 4 points sur cette main. Donc, c'est pas une perspective qui fait plaisir, je suppose, pour l'équipe Laborde, mais en tout cas ça éloigne quand même le spectre de la défaite. Si Franck Polo avait manqué, il était obligé de retirer. Tranquillement pour Michelet. Ouais, bien fait glisser. Là par contre on va pointer très certainement. Essayer de gagner le point, d'obtenir un contre si c'est possible. L'idée maintenant c'est de perdre le moins de points possible puisque la marque ne devrait pas échapper à l'équipe noire. L'idéal serait de venir en bouchonner. Elle a gagné quand même. On va certainement voir Cazeneuve à l'œuvre. Une fois qu'ils sont sûrs ils sont peut-être pas sûrs. Peut-être pas sûrs. Si. Et bien voilà, on va frapper. Et puis il y avait la perspective de faire de remonter à hauteur de l'adversaire, voire de passer devant. Eh bien voilà, c'est terminé sur le carré d'honneur terrain 2 avec la victoire de la formation de Christian Adrien Céhenno, Yannis Eboussi et Donovan Laberger que nous retrouverons cet après-midi. C'est fait, la perspective peut-être de passer 10 à 10, et vous l'avez entendu à l'instant, on connaît les finalistes, enfin une des équipes finalistes de ce national, c'est celle de Christian Adrien Céhenno, et puis c'est la fin de parcours de l'équipe de France Espoir, qui ont vraiment fait du spectacle pendant 2 jours. Voilà, ils ont limité la casse, les Bleus, là. Ils vont prendre un point, peut-être deux. Et voilà le deuxième. Et bien, égalité parfaite. Et 10 à 10. Et bien, on y est dans cette demi-finale, on est dans le Money Time à présent. Cette seconde demi-finale sur le terrain sec. Dans toutes les boules vont avoir de l'importance. Notre web TV de Boulis. Alors, c'est vrai que là, c'est Marcel Laborde, qui marque le pas. 10 partout entre la formation de Marcel Laborde. Qui permet effectivement à l'équipe de Vincent Michelet de recoller au score quand même. C'est intéressant parce qu'on a vu cette partie se disputer en 3 phases finalement au niveau des pointeurs. On a vu Marcel Laborde qui était conquérant et extrêmement à l'aise en début de partie. On a vu Romain Belmonte peiner, puis maintenant il a pris le fil.
Et je pense que c'est dans cette troisième phase là qu'on va voir quel pointeur domine l'autre, et puis aussi ce qui se passe au niveau des autres joueurs. Et surtout de Sidney Perrault, qui a été impeccable jusqu'à présent. Pour elle, c'est un quasi sans faute. Tout est en l'air, comme on dit chez moi. Doublette de ce matin, nous jouons pour le fini. Voilà, avec ses points. C'est ça, avec ses demi-données, ses roulettes. Il a pris le fil, encore une fois, au même Belmonte. Ouais. Ça va forcément donner un avantage à son équipe. Voilà, il faut que Marcel Laborde relève ce duel de pointeur. Retrouve si possible le niveau qu'il avait en début de partie. C'est pas mal, hein. Elle est un petit peu courte. Ouais. Il a changé la méthode, là. Il est joué debout en envoyant un peu plus, oui. Moins roulé. C'est ça, demi-donné. Mais il manque un peu de force. Enfin, on est toujours sur ces fameuses bosses au fond. Hein. Donc, ouais. Je pense que si Cindy Perrault arrive à frapper, elle peut en trouver avantage. Oh là là, encore un carreau, bon moment, hein, c'est vraiment ce qu'elle a fait dans toute la partie, là, c'est magnifique. Ouais, c'est là, elle améliore grandement le point de Marcel Laborde. Il est sorti, Belmonte, complètement à droite. Et il a peut-être laissé deux points. Celle-ci, elle a vraiment mal piqué. Hein. On a peut-être tenté à un moment de tirer sur la boule de Laborde. Hein. Mais il va falloir qu'ils prennent très très bien les jeunes, hein, parce que maintenant il y a deux points au sol. Certainement. Hein. Il y a certainement deux points au sol, sinon ils auraient tiré. Et il va falloir un très bon Vincent Michelet pour faire tirer à nouveau Cindy Perrault. Oh là là, cette mauvaise frappe là qui ne change rien à la situation. Et à un moment donné, moi j'ai cru qu'il allait tamponner la boule à Cindy là-bas et rentrer. Alors je pense qu'on va tirer, on peut tirer au boule, hein, mais c'est un peu compliqué, je pense qu'on va tirer au bouchon. Non, il a tiré à la boule. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un point ou deux points. Ouais. Mais s'il a tiré à celle-là, c'est qu'il n'y a qu'un point. Oui, il aurait tiré devant, essayer d'embarquer les deux. Et ça se complique hein, pour les deux. Oui, ça se complique, ça se complique parce que c'est plus du tout quoi faire. Moi, à mon avis, on va tirer encore au but. Hein. Enfin, on va tirer au but. Parce que là, Michelet, s'il veut gagner le point, il est obligé de passer à ras de la boule de Marcel Laborde. C'est vraiment la difficulté. Parce que là, il n'y a qu'un point par terre, mais quand même, la boule de Laborde ne demande qu'à rentrer. Donc, ils sont très très mal partis sur cette main, Michelet, Belmonte et Cazeneuve.
pense que la décision logique, voilà, c'est celle-là, c'est de tirer au but. Il a une seule boule pour le réussir, Cazeneuve. Et pour rester dans cette partie là où ils sont parvenus à recoller à 10-10. Et c'était un peu court et maintenant, c'est gros souci. Hein. Parviennent à gagner le point Michelet sans toucher la boule de Marcel Laborde. Il faut qu'il arrive à rentrer et de façon à faire jouer 2-3 boules à ses adversaires pour qu'ils gagnent. Parce que là, il n'y a peut-être qu'une boule à tirer pour 2 points. Il a complètement traversé. Ben là, on va pas tirer du tout. On va pointer gentiment en face de la boule de Marcel Laborde, parce qu'il suffirait de la toucher pour gagner. Bon. Après, s'il n'y a qu'une boule à tirer, quand on sait la force de frappe de Cindy et qui a rompu palais, ça peut être tapé gagné. Ah oui, c'est ça, c'est la décision qu'on a prise. Ah, on va mesurer. Non, on n'a pris aucune décision. Partez chercher le maître, Cindy Spero. Voilà, la décision, c'est d'aller chercher le maître. Enfin bon, il y a quand même une situation très très favorable pour l'équipe en bleu. Alors oui, parce que je me suis un peu avancé, pardon. Je pense qu'on va mesurer pour savoir si on a le tir à deux. Parce qu'il y a toujours cette boule noire qui est au fond. Alors, et voilà, conclusion. Je pense que si on discute encore, c'est qu'il n'y a pas le tir à deux. Donc, Marcel Laborde, il va certainement pointer en face de la sienne. Il n'a pas gêné, enfin, 4 boules pour 2 points. Ouais, c'est elle lui dit, Cindy, je crois, tu prends à peine la tienne. C'est vrai que là, on connaît le terrain, hein, et elle est sur la bosse, là. Hein. Joseph Saint-Philippot, lui, le complice de Cindy Perrault, Marcel Laborde et Franck Polo sur leur émission télé, il est devant son écran, évidemment. Il regarde ici, le tonton. Je pense que... Je crois que mardi, c'est le neveu de Marcel. Ouais, si mardi dans l'émission, on va en reparler de cette partie. Hein. Alors, une boule pour gagner pour Marcel Laborde, si jamais il rencontre la sienne. Oh, il est court, Marcel. C'est des cours qui mordent, ça. Il a peut-être glissé un deuxième point. Ah, bah allez, là je crois que c'est peut-être pour sceller le sort de cette partie. La frappe de Cindy. Okay. La frappe de Cindy, tu l'as annoncé un petit peu à l'avance, Gilles. Hein. C'était un tir, mais... Non, mais j'ai dit, c'était potentiellement. Allez, c'est la Franck Polo qui revient. Le soin de... finir cette partie. Ouais, toute l'équipe de l'Odyssée, vous voyez, est aussi devant ses écrans. Ouais, c'est bien tiré. C'est terminé. Franck Polo, Cindy, Perrault et Marcel Laborde sont en finale du national de Pézenas. Et Vincent Michelet, Romain Belmont et Romain Cazeneuve. De beaux demi-finalistes, Gilles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie? Il y a eu des hauts et des bas. De part et d'autre, il y a eu un démarrage en trombe. De la part de l'équipe Michelet, 4 points, mais ça a été vite remis dans l'ordre par 5 points derrière. Un Marcel Laborde qui a pris le dessus, qui a permis de creuser l'écart et qui a fléchi sur la fin, ce qui a permis de la remonter de l'équipe Michelet. Et Michelet qui s'est écroulé un petit peu sur la fin. Mais aussi noté une performance extraordinaire de Cindy Perrault, je crois. Je vais peut-être m'avancer tout de suite, puisqu'il faut élire... le joueur-joueuse de la partie. Et là, allez, je m'avance et je dis Cindy Perrault, joueuse d'accord. De la partie.
On va être d'accord parce qu'elle a, elle a tenu au bout de bras cette partie avec souvent des... Alors d'abord une grosse moyenne, hein, je sais même pas si elle a manqué une boule, Cindy Perrault, une ou deux, mais ouais. En tout cas elle a surtout fait des carreaux sur des engagements carreaux, un petit peu moyens devant celle de la borde. Tout à fait. Et ça a été certainement une des clés de cette rencontre. Vous avez été nombreux à la suivre, hein, avec évidemment beaucoup, on l'a vu, beaucoup d'amis de l'Odyssée Pétanque, beaucoup d'amis de l'équipe Apollo. Et on va les retrouver, ces joueurs et cette joueuse, tout à l'heure en finale, à 15h de ce national. Ils vont rencontrer la belle équipe de Christian Andrian Céheno. Ça nous promet une belle rencontre, et toujours devant les caméras de la Web TV Bouliste Note. On vous retrouve donc cet après-midi à 15h pour la finale de ce national de Pézenas. Et alors ça, c'est Marcel Laborde qui vient nous voir, mais comme j'ai le casque, je n'entends pas trop ce qu'il dit. Mais en tout cas, Marcel, il est ravi. Il a été un peu privé d'organisation, on le disait tout à l'heure, avec le retrait cette année de l'Odyssée de la Pétanque. Mais alors, il trouve une revanche là, en avançant sur les terrains. Bravo à Marcel Laborde, bravo à Franck Polo, bravo à Cindy Perrault. Ils nous ont régalé sur cette partie. Et puis je pense qu'ils vont peut-être nous régaler encore cet après-midi. On vous donne rendez-vous une fois de plus à 15h, hein, pour la finale entre Andrian Céheno et Marcel Laborde.